te adora por ser único y santo.
explication de la parole de Dieu par notre ancien Cyrille concernant l'Église de Jésus et les quatre doctrines de l'Église. Et je ne sais pas, je pense que Dieu conduit la pensée et la prédication. C'est pas nous les serviteurs qui pensons connaître un message, mais je pense que c'est Dieu qui nous inspire. Amen. Donc ce matin, je voudrais tout simplement parler sur la vie de Daniel, homme de Dieu, qui a résolu de ne pas se souvenir à la table des rois. Et je ne sais pas, je pense que pour ce 1er janvier, première année 2023, chacun a souhaité ses vœux dans leur propre église, avec sa famille, ses enfants. Vous savez, je disais à l'église, à Montebirou, dont j'ai gardé l'église aujourd'hui, moi le pasteur, c'est mon fils Abraham, je disais à l'église, on ne peut pas chaque année se souhaiter des meilleurs vœux, puisque nous sommes éternels. Et que Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc si Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde, pourquoi je vais renouveler chaque année mes meilleurs vœux? Puisque les meilleurs vœux ont été faits déjà. Jésus nous a donc donné les meilleurs vœux. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça qui me rassure. Vous savez, on a l'habitude chaque année avec l'église à Montpellier, on fait un repas de fin d'année, on ne fait pas Noël, on ne fait pas le premier de l'an parce qu'on reste en famille. Mais après ces fêtes-là, entre la première semaine de janvier, un culte, on fait un repas avec tous les chrétiens et chrétiennes, comme ça on est seuls entre nous. Et on fait les meilleurs vœux. Donc chaque frère, chaque soeur, chaque couple se lève et prend la parole et il souhaite les meilleurs vœux. Et ce matin, je voudrais apporter une parole pour l'année et pour les années à venir. Prendre chacun de nous une résolution. Et chacun pour sa part. C'est pas simplement que pour quelques-uns au milieu de nous. Et non seulement que pour les pasteurs ou les responsables, quoique nous sommes aussi des référents dans le sens où nous sommes un témoin pour le peuple et des modèles pour le peuple. Parce que la place que nous avons, nous les responsables qui sont là, une grande brochette vous avez ici, avec moi y compris, la plus grande place que nous avons, c'est le témoignage. Un peut être trésorier, un peut être responsable du comité, l'autre peut être, je ne sais pas moi, candidat à un tel, mais ce qui est plus important, c'est le témoignage. Le témoignage d'homme de Dieu et le témoignage de femme de Dieu, c'est ce qui est plus important. Donc, le reste, c'est que de l'administration, c'est que du papier et de l'encre et du stylo. Ce qui est plus important, c'est la vie de l'esprit. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais parler avec vous. J'ai tourné parce que pasteur responsable, on s'est côtoyé, on s'est appelé, puisque normalement, ce devait être les anciens qui devaient faire la rencontre des églises aujourd'hui. Et l'un s'était commandé, l'autre avait des rencontres, et rien n'a pu se faire. Et entre nous, on s'est dit, mais Tony a fait son programme, et vous connaissez le programme, il m'a mis en programme le culte. Moi, je dis à Tony, écoute, je suis là, comme il a dit Tony ce matin, avec vous, c'est le plus important. D'être avec vous, avec l'Église. Donc, si tu me choisis pour apporter la parole, je l'apporte. Parce que le Seigneur doit être toujours disponible à apporter la parole de Dieu. Amen. Et je voudrais tout simplement lire le livre de Daniel. Dans le chapitre 1er, au verset 1er du livre de Daniel, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Chinia, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre aux élus d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale et d'une famille noble. Le jeune garçon, sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour
une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait le roi, voulant les élever pendant 3 ans, au bout duquel il serait au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Bethsaïdar, Ananias, celui de Tsadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et pria au chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Amen. C'est ce que je voudrais m'entretenir ce matin avec vous, je ne sais pas trop long, mais je voudrais m'entretenir avec cette parole. Amen. Qui était Daniel? Daniel, c'était un jeune garçon, à proximité l'âge entre 17 et 20 ans, un jeune garçon d'une famille royale, d'une famille noble. Et vous savez que l'ennemi de notre âme, ce qu'il cherche, c'est de détruire les familles nobles. Ce que Satan veut faire, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Vous savez que les Juifs, c'est un peuple béni de Dieu. On ne peut pas faire autrement, vous pouvez discuter comme vous voulez. Les Juifs, c'est des hommes les plus intelligents du monde. Et les Juifs sont les plus bénis du monde. C'est ceux qui tiennent les banques, c'est les Juifs. Ceux qui tiennent des bijouteries, c'est les Juifs. Ceux qui tiennent le plus grand business du monde, c'est les Juifs. C'est un peuple qui est béni. Et en plus, c'est un peuple qui sont unis entre eux. Ils s'entraident entre eux. Ils ne se lâchent pas tout seuls. Quand un Juif vient de Jérusalem, il vient à Arles, tous les Juifs d'Arles, ils sont en train de l'aider. C'est un peuple béni. Parce que c'est un peuple de Dieu. Et pourtant, ils n'ont pas Jésus-Christ comme nous l'avons. Et c'est un peuple qui cède. Et vous savez, l'ennemi de notre âme, c'est qu'il voulait, c'est de détruire le peuple de Dieu, Jérusalem, comme le roi Nebuchadnezzar, c'était l'homme le plus puissant de l'époque, à Babylone. Il voulait détruire Jérusalem. Et le but de ce roi méchant, de ce roi orgueilleux, Nebuchadnezzar, c'était pas d'amener les Juifs avec des chaînes, les mettre en prison et les faire mourir de faim. C'était plus la persécution. C'était leur donner de la crème, en quelque sorte. C'était leur donner une cage à mort. Parce que manger à la table du roi, est-ce que c'est un prisonnier? Manger à la table du roi Nebuchadnezzar, est-ce que c'est un prisonnier? Il voulait en faire deux de ces hommes juifs, jeunes, qui étaient nobles, qui étaient d'une famille royale. Il voulait en faire deux un lavage de cerveau. Le diable a changé de tactique. Il y avait une époque, ici même, dans notre région où nous vivons, dans les régions du sud des Cévennes, on appelait à l'époque les chrétiens, on ne l'appelait pas comme nous, Villiers, mais à l'époque on les appelait les camisards, ou les cyclonaux, ou les cathares, qui sont d'Albi. Et à cette époque-là, les chrétiens étaient persécutés. Vous savez qu'en Cévennes, les chrétiens se réunissaient, on appelle le musée du désert. Si un jour vous avez l'occasion de croiser ce village en Duse, et d'aller visiter le musée du désert, faites-le. Ça va édifier votre foi. J'ai eu l'occasion d'amener l'église au musée du désert en Guse pour leur dire, voilà les chrétiens, comment ils vivaient autrefois. Ils étaient persécutés. Ils étaient en prison. Mais le diable a changé de tactique. Parce que plus il y avait des persécutions, plus il y avait des chrétiens. C'est comme disait un pasteur, les roseaux, plus on les coupe, plus ça pousse. Et le diable a changé la tactique de combattre l'église de Jésus. Ce n'est plus la persécution maintenant, depuis à l'époque de Louis XIV, le roi Sommeil. Les chrétiens étaient amenés captifs, vous savez, et marchaient tout le long de la mer Méditerranée, tout le long de la côte jusqu'à Marseille, et c'était des galères. On les mettait dans les bateaux, on les faisait ramer, c'était les moteurs, en quelque sorte, c'était des serviteurs, des chrétiens. Ils étaient mis au banc des voyous, des voleurs, des meurtriers, et eux c'était des serviteurs de Dieu. Il y a toujours eu des persécutions. La grande persécution a commencé 300 ans à notre ère, à l'époque du roi Constantin. Et à cette époque-là, il y avait des grandes persécutions. Étienne a commencé, c'était le début de la grande persécution. Étienne a été lapidé. Et ça a été le début de l'Église, de la persécution.
Aujourd'hui, je vous dis, s'il y aurait une telle persécution, je ne sais pas si les rencontres de l'Église ne seraient tant de monde. Pourtant, nous avons un bien-être. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut en France. Notre mère, la France, nourrit notre peuple. Et plus on nous donne, plus on en veut. Et aujourd'hui, le peuple se plaint. Mais se plaint de quoi? À l'époque, les chrétiens souffraient. Mais j'étais consacré à l'Éternel. Ils avaient dans leur cœur, comme Daniel, résolu de ne pas se souiller à la table du roi Louis XIV. Il y a une femme que vous connaissez, si vous avez l'occasion d'aller à la tour de Constance avec les morts, c'est pas loin de chez vous, Arles. Si un jour vous voulez faire une promenade entre foyers, je dis ça une promenade, mais qui va être une promenade pédagogique, une promenade spirituelle. Allez visiter la tour de Constance. Une sœur, elle a été en prison pendant 38 ans. 38 ans. Marie Durand. Parce qu'il n'a pas voulu abjurer. Et vous savez que le mot abjurer, ça veut dire je renie le nom de Jésus. Et les soldats venaient tous les jours. Si tu abjures, tu sors de la prison. Si tu abjures, tu sors de la prison. 38 ans. J'ai visité cette prison. Et je vous exhorte à aller la visiter. Amen. C'est devenu un musée protestant. Vous pouvez la visiter comme vous voulez. C'est pas cher, en plus de 3-4 euros. Vous allez visiter la prison où des hommes et des femmes ont été emprisonnés. Là, dans cette prison, une tour. Et en haut du toit, c'était la promenade. Et les chrétiens étaient emprisonnés là. Un an, deux ans, trois ans, parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils croyaient en Jésus. À l'époque, l'Église catholique donnait le pouvoir à l'autorité, l'État, de persécuter tout le christianisme. C'est pour ça qu'est né le protestant. Parce que le mot protestant veut dire « je proteste contre la religion catholique ». Et on leur a donné le protestant. À l'époque, les protestants, ils étaient comme nous. Vous savez que les enfants prophétisaient dans le vaisseau. Les enfants, parce qu'il y avait le musée du désert, et quand ils faisaient des réunions, ils étaient bien sûr dans la garrigue, ils pas loin de chez nous, dans les Cévennes, et ils se cachaient là. Et le pasteur, son piédestal, parce que vous, sa pupitre, c'était un gros tonneau de vin, et qui portait dans sa charrette. Il faisait croire qu'il y avait du vin dedans, mais en réalité, il le démontait et il faisait le chair. Il faisait une pupitre. En plein air, les chrétiens venaient avec le parapluie, habillés. Parce qu'il faisait froid, ils s'assoyaient dans des troncs d'arbres, dans des petites pierres qui étaient là, c'était leur siège, ils écoutaient le pasteur prêcher. Et en haut, il y avait des hommes chrétiens qui étaient là au bout de la tour, et quand ils sifflaient ou faisaient des signes en disant il y a les dragonnades, qu'il y a les dragonnades, ce n'était pas des dragons, c'était des soldats envoyés par l'Église catholique qui venaient les persécuter et les mettre en prison. Mais eux, ils étaient là en train d'écouter le Dieu. Et dans le vaisseau d'une poussette, les enfants prophétisaient. Les enfants prophétisaient. Vous savez, tous ceux qui vont vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Ceux qui ne sont jamais persécutés, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une anomalie. Quelqu'un qui veut suivre pieusement le Seigneur, il sera persécuté. Quelqu'un qui ne prêche pas la vérité, mais qui vit la vérité, il est persécuté. Parce que vous savez, on a tendance à dire, moi je prêche la vérité. Ne prêche pas la vérité, dis la vérité. Prêche pas ça en sanctifiable. Fais pas trop le sanctifié, dis la vérité. Tais-toi, ne parle pas. Parce que c'est le témoignage qui va apporter cette onction que tu vis la vérité. Le pasteur m'a dit qu'on ne prêchait pas la sanctification. Hein. Moi, je n'ai jamais entendu prêcher la sanctification. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Pas ça, pas la sanctification, mais il avait en lui une sanctification. Le fait d'être avec lui, le fait de manger avec lui, le fait de prier avec lui, il t'amenait à marcher dans la sanctification, sans qu'il te le dise. Alléluia. Sans qu'il te le dise. Oui. Mais d'être, le fait d'être à côté de lui, il te disait, marche comme ça, marche comme ça. Et voilà, aujourd'hui, on impose à quelqu'un comment il sera. Jamais il ne sera. N'impose pas. Et je ne peux pas imposer, moi, quelqu'un que jamais il ne sera. On ne peut pas être ce qu'on n'est pas. On ne peut pas être ce qu'on n'est pas.
connaît pas. On ne peut pas forcer les personnes à marcher comme ça, marcher comme ci, marcher comme ça. Combien de fois on a exhorté les églises? Combien de fois on a exhorté les chrétiens en disant ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne touchez pas? Combien de fois? Combien de fois jusqu'à l'apôtre Paul, ne touchez pas, n'y allez pas? Dieu sera pour vous un père, vous serez des fils. Mais combien de fois le peuple n'écoute pas la voix de Dieu? Combien de fois le peuple désobéit à la voix de Dieu? La vie chrétienne, vous savez ce que c'est? C'est la vie de toi et Dieu. Amen. Si personne ne veut pas vivre la vie chrétienne, moi je la vis. Moi, mon foyer, nous l'ont servi le Seigneur. Et ce qui est le plus important, c'est de plaire à Dieu, non pas pour être vu des hommes, mais pour être vu de Dieu. Parce qu'il y en a qui font des choses, si vous voulez, est-ce que vous comprenez? Ils ont tout l'air d'une pauvre, est-ce que vous comprenez? Et ils me verront. Il prendra une catégorie d'hommes et on dira bon, quel frère, bon, quel homme de Dieu, non, il est rien. Ce qui est plus important, c'est de vivre avec Dieu. Daniel, c'était un prophète. Pourquoi c'était un prophète? Parce que Daniel, il a gardé toujours dans son cœur à ne pas se souiller. Il connaissait la parole de Dieu, tout jeune garçon le connaissait. Il était déporté de Jérusalem, là où il y a des sacrificateurs, là où il y a le temple. Il est envoyé dans une ville loin de son pays, à Babylone. Et ce roi-là, il lui a donné une place, c'était la crème. Je ne sais pas, il y avait trois compagnons de Daniel. Il n'y avait pas que trois compagnons de Daniel, mais il y avait un peuple de Dieu qui avait été amené. Et la vidéo, le film est ciblé sur Daniel. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que les gens se tournent vers toi. Parce que les peuples de Dieu ne regardent pas tout le monde, le peuple te regarde à toi. Ta maison regarde toi, tes voisins regardent toi. Toi tu peux parler de l'église, moi je fais partie de l'église, mais lui le voisin, il regarde toi. Est-ce que tu comprends ma soeur, mon frère? Ah, on a une belle église, non, c'est toi qui dois porter mon témoignage. Parce qu'un jour, il y avait un pasteur qui s'appelait Dufour, je crois, qui était missionnaire, je ne sais pas où, des Indes. Et on était des étudiants à l'époque, aux années 80. Il y avait Clément de Cosette, il y avait tous les pasteurs qui étaient là, à Moucho, la connaît, et qui nous enseignaient la prédication. Et un jour, il vient un après-midi, un missionnaire. Et tous les étudiants disent, il y a un missionnaire qui vient, on va l'écouter. Ce n'était pas un français, ce n'était pas un espagnol, ni un voyageur. C'était un monsieur, un français, qui était missionnaire, qui était venu apporter un enseignement aux étudiants. Et il nous a fait sur le tableau une image en disant je suis missionnaire. Mais missionnaire, ce n'est pas de faire des kilomètres et des kilomètres. Mais alors, comment ça va se faire? Comme Jonas. À la Tremendunque en Espagne. Et de tellement loin qu'il est allé dans un ventre d'un poisson, de Tremendunque en Andou. Ce n'est pas de faire des kilomètres, missionnaire. Missionnaire, vous savez ce que c'est? Le voisin de ton palier. Lui prêcher l'évangile. Et si tu prêches l'évangile au voisin de ton palier, là, le voisin qui est en face de toi, et que tu prêches l'évangile, tu es un missionnaire. Amen. Tu es un missionnaire, ma soeur, mon frère. Vous savez, je dis ma soeur, parce que le frère me dit, mais Gabou, tu dis que les soeurs peuvent être missionnaires. Une soeur peut témoigner de Jésus. C'est pas interdit qu'une soeur témoigne de Jésus. Amen. Au contraire, ils savent bien le faire avec leurs femmes païennes. Et leurs couples là qui sont là, ils peuvent témoigner de Jésus. Ils peuvent évangéliser même l'évangile de Jésus. Ils n'ont pas le ministère de pasteur, mais ils peuvent évangéliser. C'est quoi évangéliser? Parler de Jésus, de ce que Jésus a fait pour toi. Alors missionnaire, être le voisin de ton palier, de prêcher l'évangile. Et ce que Daniel, lui, est un prophète. Daniel, c'est un prophète. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est un voyant. Quand dans la Bible, voyez un voyant, c'est un voyant. Quelqu'un qui voit. Et le diable veut crever nos yeux, le diable veut nous aveugler. Et c'est écrit dans la parole de Dieu que le diable veut aveugler l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Un voyant, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui a la révélation. Un prophète, c'est quelqu'un qui, Dieu lui parle par songe, mais aussi par la parole de Dieu qui lui communique au fond de son cœur. C'est écrit dans la première épître de Pierre. Dieu parle. Un prophète. Et Daniel, c'était un prophète. Il connaissait les Saintes Écritures. Parce qu'à l'âge de 12 ans, un juif doit connaître la Bible, la Torah. Et Daniel, c'était un homme qu'on a arraché de sa ville, de son pays. Là, il y avait des sacrificateurs. On l'amène dans une ville qu'il ne connaissait pas, qu'il ne connaissait même pas la langue.
qui ne se connaissaient même pas la culture, même la nourriture de cette époque-là. Ils ne connaissaient rien, lui, de tout cela. Mais ils connaissaient que sa ville, Jérusalem, la ville sainte, là où Dieu demeurait. On l'arrache de ce pays. On l'amène, bien sûr, à Jérusalem. Et on va lui changer de nom, parce que le mot Daniel, son nom Daniel, veut dire Dieu juge. Vous savez que normalement, un chrétien qui vit avec Dieu, normalement, quand il est en compagnie de quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas de Dieu, normalement, il doit être jugé par Dieu. Est-ce que vous comprenez le sens? Un jour, il y a très longtemps de cela, j'étais au travail. Je peux raconter des témoignages après, si vous permettez. Amen. Parce que Dieu me l'a dit, raconte des témoignages pour que faire du bien. Amen. Et témoignages, parce qu'il y a Dieu. Dans le témoignage, il y a Dieu. Amen. Dans le témoignage en Dieu, je pense que je suis pas très fort. Ouais. Mais un témoignage, il y a Dieu là-dedans. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour les témoignages. Amen. Voyez-vous, ce que un jour j'étais là, j'ai travaillé pour les assurances à l'époque, je parle de ça 25 ans, 30 années, et j'ai travaillé pour des bureaux d'assurance. Et je faisais un peu dans l'entretien. J'étais un peu celui qui arrangeait, qui payait les portes, qui arrangeait les portes. Je travaillais, j'étais pas dans un bureau, mais j'étais un peu le gardien un peu de ces bureaux-là. Et chaque matin, je voyais des hommes et des femmes qui travaillaient dans leur bureau. Et il y avait un homme qui venait, on se voyait tout le matin. Et on buvait le café à la pause ensemble. Et un jour, au bout d'un certain temps, moi je venais en retard parce que j'allais au travail avec l'autobus. Avec le car, et je manquais le car, et j'ai repris le deuxième autobus. Et j'arrivais un peu en retard, 10 minutes après. Et lui, il pleurait. Je rentre, il pleure. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me rappelle plus son prénom. Mais écoute, je t'attendais. Tout le matin, quand tu es là, tu t'imagines pas? Si. Tu me fais du bien. Dieu, Au bout d'un an, je n'ai jamais prêché l'Évangile. Je n'ai jamais prêché Jésus. Je n'ai jamais dit que j'étais pasteur. Parce que je me suis dit, je travaille dedans. Et que je dis que je suis pasteur, je vais être le plus grand persécuté. Donc je pouvais faire mon petit travail tranquille, rentrer chez moi. Parce que c'est Dieu qui m'avait dit ça. C'était Dieu qui me l'avait proposé ça. C'était pas moi. C'était Dieu. Au bout d'un an, ce tombe-là, ce jeune garçon de mon âge, il pleurait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je voyais qu'il y avait un problème, moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas t'imaginer, Pierre. Gracias, Pierre, je m'appelle. Tu peux pas t'imaginer, Pierre, que tu me fais du bien tout le matin que tu es là. Et je ne sais pas, dis-moi la vérité, il y a quelque chose en toi, je ne sais pas, qui est puissant en toi. Et moi, je me mets à rire. Pourquoi je me dis, ouais? Parce que je sais moi ce que j'ai en moi. Amen. Et je me suis mis à rire. Et dis, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi-le. Et bien, je vais te le dire, je suis serviteur. Ah, c'est pour ça qu'à chaque fois que je te regardais, il y avait quelque chose en toi qui m'a porté du bien-être, mais aussi du jugement. Un jugement. Un serviteur de Dieu va apporter un jugement, même sans prédication, comme c'est le prochain. Rien que la manière de vivre, avec ta famille, avec ton foyer, avec tes enfants. Il faut que ça mène à juger les gens en disant, tu vois cet homme-là, c'est un frère, mais c'est un saint homme de Dieu. Vous rappelez cette femme qu'il invitait toujours un prophète manger chez elle, avec son mari qui est âgé. Est-ce que vous rappelez cette histoire? C'était pas un homme qui passait dans la rue comme ça, il venait, il faisait une halte, et il mangeait chez la maison de cette femme, avec son mari. L'hôpital, c'était l'hospitalité juive. Et un de ces quatre matins, il dit cette femme à son mari, à qu'est-ce que tu qui mais déjà dans sa casa. Ils sont saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu, pas l'autre, son serviteur. Non, lui qui vient manger. C'est lui qui c'est un saint homme de Dieu. L'autre, nous, c'est un voyou, un tricheur, un menteur et un voleur. Mais lui, là, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute pour lui. Investissons de l'argent. Toutes les économies qu'on a faites, on va le mettre pour cet homme de Dieu qui vient chez nous. C'était un professeur d'école, il enseignait les prophètes, l'école des prophètes. C'était un enseignant à l'époque. Et c'est écrit ça dans la Bible. Voyez-vous que le fait de ne pas parler, le fait de voir notre marche, les gens se convertiront. Vous savez que la Bible nous dit que dans l'église, parce qu'on a commencé avec ça, il faut finir avec ça, les frères et sœurs. Parce qu'il faut être conduit par le fil conducteur spirituel.
Lorsque l'ancien il a prêché l'après-midi sur l'église, le rôle de l'église, et c'est ce que je voudrais terminer ce matin avec cette conclusion, le rôle de l'église et du chrétien, c'est de prendre une résolution dans notre cœur. De prendre cette résolution de ne pas se souiller à la table du roi, par les mets du roi. Ah, peut-être c'était du caviar, j'invente un peu la nourriture. Je ne sais pas si ça existait à cette époque-là ou pas, qu'importe. Mais il y avait du caviar, il y avait toute cette sorte de nourriture de roi, de royal. Et Daniel dit non, 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 non. Moi, je ne me souille pas par les mets du roi. Et il dit au chef qui était responsable, parce qu'il fallait qu'il mangeât pendant 3 ans. Et quand même, ce qu'il voulait faire, le roi Nebuchadnezzar, c'était pas faire des prisonniers de 3, de 4, 10 ans. Il voulait faire des gens nobles, quand même, qui servent dans son palais. C'était pas quelque chose de terrible. Serait-il vous et moi? Je sais pas, moi, si moi, en bol, tout ça, pas de chai, tout ni, maman, tout ni, 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 quando mi sono affrontato mi vengono, ma ci sono pensi che sono, ma ci sono pensi che vengono, toute cette belle table. Vous savez que le diable a tenté Jésus. Il dit, voilà, je donne tout son royaume. Je te prosterne devant moi. Jésus dit ces paroles, vous connaissez le texte, vous dites, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toutes les paroles qui sont liées. Amen. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souvenir. Et ce matin, je voudrais vous interpeller ce matin, moi et vous ensemble, que cette année et les années à venir, prenons cette résolution de ne pas se souvenir à la table du roi. Combien de propositions ont été offertes? Combien de propositions nous ont été offertes, nous les serviteurs? Et parce qu'on a un ministère, on a refusé. Parce qu'on est les serviteurs de Dieu, on a refusé. Parce qu'on a pris cette décision de ne pas se souvenir à la table du roi. Même s'il y avait des bonnes propositions, vous savez, j'ai travaillé longtemps. J'ai gardé l'église 30 ans. 30 ans que j'ai gardé l'église. Et encore, je suis à l'église, je suis membre de l'église. Je suis chrétien de cette église. Mais de temps en temps, je prêche la parole de Dieu. Mais voyez-vous, pendant ces années, quand j'ai gardé l'église, quand Dieu m'a confié l'église, quand mon pasteur ancien m'a dit voilà, parce que c'est mon pasteur qui m'a transmis l'église. À l'époque, ce n'était pas le corps pastoral. Ça existait pas, ça, à l'époque. Il y en avait, bon. À l'époque, c'était mieux, moi, je trouve. Ça marchait par esprit. Ça marchait par confiance. Ça marchait par témoignage. Et c'est les anciens qui passaient leurs jeunes aux églises à l'époque. Et aujourd'hui, ils ne comprennent plus trop. Bon, on va s'arrêter là, parce que sinon, je me perdrai. Et je trouverai plus mon chemin. À cette époque-là, mon pasteur me transmet l'église, un peu comme Élie avec Élisée. Mon pasteur m'a donné son manteau de pasteur. Il m'a donné son manteau de pasteur. Et moi je me dis, mais comment je vais faire maintenant que je me donne le manteau de pasteur? Mais comment je vais faire moi? Je suis trop jeune, je suis rien moi. Mais il y avait des anciennes qui étaient là, les anciennes qui étaient plus âgées que moi, que c'était mon pasteur qui les avait amenés au Seigneur. Les anciennes m'ont entouré, ils me disent, t'inquiète pas que vous, on est là. Amen. Les anciennes, amen. T'inquiète pas, on est là. Et je bénis le nom de Dieu pour ça. Qu'il y a des chrétiennes anciennes dans nos églises. Ils sont là, ils sont connus, on les voit. Mais c'est des femmes qui sont dans la région qui prient pour les serviteurs. Ouais, ouais. Qui sont une aide pour les serviteurs. Je peux faire mieux avoir une enseigne, une ancienne, qu'on peut se tomber de porte tombe. Parce qu'une ancienne, c'est qui veut prendre, qu'on peut se tomber ce qui est en train de bouder, il tourne, il regarde ce qui est. Fous le camp de qui? Peste. Ailleurs. Laisse l'église en paix. La paix de Dieu, la paix de Dieu. L'église en paix. Qu'est-ce que tu fais là? Tu mets le trouble. Amen. Tu portes le trouble. On n'est pas des causeurs de trouble, au contraire, on est là pour aider. Amen. Pour aider. Amen. C'est facile, hein? Tu rames pas et tu mets l'argent du beurre, toi. C'est facile de pas ramer et de parler, de critiquer. Il n'y a pas plus méchant que celui qui critique et qui rame pas. Ouais. Mais viens ramer avec moi, tu vas comprendre ce que c'est. Ouais. Tu vas comprendre ce que c'est garder l'église. Amen. Tu vas comprendre ce que c'est de
d'être persécuté, d'être toujours... Vous savez, être pasteur, c'est la plus mauvaise place. Être responsable, c'est le plus mauvais métier qui peut exister sur la terre. C'est un poids terrible qu'on porte. Parce qu'il faut porter le modèle de l'Église. Il faut porter ce témoignage. Et c'est pas facile. Il y en a qui sont contents, monsieur pasteur. Mais regarde, monsieur pasteur, il y a un problème. Le pauvre pasteur. Tu sais ce que c'est être responsable de l'Église? C'est de pleurer des larmes de sang. De pleurer pour les chrétiens, ceux qui manquent au culte. Et la religiosité des chrétiens. C'est ça, c'est un serviteur responsable. Et je m'adresse à tous les pasteurs, je peux me le permettre de le dire. Je suis presque un des plus anciens de tous qui sont derrière moi. C'est ça qu'un serviteur de Dieu. Être responsable. Pour tous ceux qu'on ne voit pas, qui viennent là, et qui sont dévariés, pour avoir une église. Mais c'est agréable. Va travailler, va sauver des âmes dans les rues, évangélise un peu. Et après, il y a même temps qu'il prendra mon église. Résolu de ne pas se souiller à la table du vin. Ce qui est important, mes soeurs, mes frères, c'est que quand le roi Nebuchadnezzar, il a voulu changer un lavage de cerveau, c'est changer la culture complètement, changer le dialecte, vous parlerez plus juif, mais vous parlerez babylonien. Les faire babylonien. Rendez-vous compte, si un jour moi m'amènerai à l'Amérique, quoique l'Amérique c'est un pays, hein, tu parleras plus gitan, tu parleras français, tu parleras américain. C'est plus ça. Pas 3 ans, moi, il me faudra des temps. Pour prendre ce dialecte. Et il faut que tu apprennes le babylonien. Il faut que tu sois dans notre culture. Changer la mentalité de l'homme de Dieu, le prophète. Et si vous lisez bien la parole de Dieu, juste après les avoir changé les noms, au chapitre 1er au verset 7, les chefs des eunuques leur donna à Ananias, celui de Sadrach, quand il a changé les noms, regardez de suite après au verset 8, Daniel a isolé. Ce n'est pas le nom que Nebuchadnezzar lui a donné. Lui, il dit Daniel, les amis. Je m'appelle toujours Daniel, moi, je ne change pas. C'est toujours le même. C'est moi, Daniel. Que c'est vous, un frère, qui ne change pas. Un jour, il me rappelle, il y avait des missionnaires qui venaient là, à l'église où j'étais étudiant. À l'époque, j'étais un pasteur. Et j'étais étudiant, mon pasteur, c'était pas gitan, c'était pas lui. Mon pasteur s'appelait André Bourdon. Et il s'est devenu responsable, il a gardé l'église 25 ans. Et moi, j'étais étudiant à l'époque là. On était une quinzaine de frères, j'étais serviteur de Dieu, étudiant au ministère, et on était à l'église de l'heure à l'époque, je ne parle très longtemps, il y a plus de 35 ans. Et les voyageurs, quand ils venaient, parce qu'on allait à l'église, on avait un terrain, et les caravanes, quand ils venaient, ils s'installaient. Et à chaque année, nous, on les attendait, ces serviteurs, que ce soit les vieux de notre mission, ils venaient nous rendre, nous faire une halte à l'église, là où nous étions à l'époque. Parce que tu as connu, c'est là où tu as ils venaient s'installer. Alors nous, à l'époque, on était contents, il y avait moi, Antoine, et tous les pasteurs, ces jeunes serviteurs de Dieu. Quand ils venaient, les serviteurs, vous savez ce qu'on faisait, nous, pousse-toi. On mettait l'étalage, la caravane, on les plaçait, on nettoyait un peu. Et le pasteur ancien nous regardait, il voyait cette scène, il était content de voir l'œuvre de Dieu, parce qu'il y avait un réveil. Un réveil, c'était un réveil de Dieu. La puissance de Dieu s'était posée sur cette église. Vous savez, je veux dire une chose, c'est que quand un jour, à cette église-là, à Célèleur, c'était en 1979 plutôt, ils sont venus, un chrétien, un estivant qui était venu là, il se promenait, il marchait, il cherchait l'église, il voit justement des chants, des cantiques, chez nous, des gitans, à l'époque, les gitans, c'est parce qu'on passait pas de travail. On chantait, mais si vous savez, l'esprit de Dieu qui était là. Et un jeune, un anglais, je ne sais pas si c'était un anglais, qui ne parlait pas bien le français, il s'est arrêté à l'église, il s'est assis au fond. Et il a écouté les prières, les prédications. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Après la réunion, ce monsieur vient vers le pasteur Bourdon, il dit, chez vous là-bas, il y a quelqu'un qui parle comme ça en anglais. Et Bourdon dit, il y a un anglais ici. Qui c'est, monsieur? Là-bas, cette femme là-bas, c'était une ancienne de l'église. Une ancienne de l'église. Il a parlé des merveilles de Dieu en anglais comme ça, pur anglais. Jésus. Et pourtant, c'est une rive. Il sait même qu'on parle le français. Comment voulez-vous qu'il parle l'anglais? Il y avait le Saint-Esprit de Dieu qui était là. Cet homme a senti les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Et je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est fini tout ça. Quand les malades venaient dans nos églises, on n'avait pas le temps d'imposer les mains.
que les malades étaient déjà guéris. On est poussé par lui-même. Quoique la Bible dit, vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il rentrait à l'église, il avait tellement l'esprit de Dieu. Quand il venait, ils étaient guéris sur le champ. Il y avait des gens qui étaient possédés de mauvais esprits. Quand il rentrait à l'église avec les chants qui portaient la gloire de Dieu, de tellement que cet esprit de possédé se manifestait et tombait à terre comme des serpents. Et nous, les serviteurs, on cherchait au nom de Jésus. Moi, j'étais jeune à l'époque. Hein. C'était les anciens qui priaient. Et moi, j'étais derrière eux, tout craintif. Tout craintif. J'étais en train de regarder les scènes. Et les pasteurs priaient au nom de Jésus. Les possédés étaient délivrés. Les malades étaient guéris. Il y avait un homme un jour. Vous savez, un homme un jour était à l'hôpital, on lui dit qu'il avait un cancer sur son cou. Il avait un cancer parce qu'il avait une boule. Vous croyez que c'était l'odème, je ne sais pas, une bonne de greffe. Mais les docteurs ont vu que c'était un cancer. Et juste après la réunion, pendant la réunion du soir, c'était le matin, il y a la réunion du soir, le pasteur prêche et il dit, toi, que tu as une boule et tu as le cancer ici, le Seigneur va te guérir. Le lendemain, se lève, il dit, c'est moi, je vais devoir, le docteur m'a dit que j'ai un cancer. On a prié, on a imposé les mains, et l'homme a été guéri. Amen. Complètement guéri. Gloire à Dieu. Et il est devenu chrétien, il s'est fait baptiser. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Quand on, les chrétiens, prend des résolutions de suivre Jésus, le Saint-Esprit y est. Je vais lire un texte, vous permettez. C'est écrit dans la parole de Dieu. On ne va pas lire parce que ça prend du temps. Mais la Bible, vous avez confiance en moi. La Bible dit que ne prenez pas des résolutions sans Dieu. Amen. Ne prenez pas des résolutions sans Dieu. Si quelqu'un veut prendre des résolutions et qui veut imiter, copier, copier. Parce que soit pour son arrivant, Un pasteur va prêcher la parole de Dieu, prêche, la semaine sono morire, prêche, tu tombes à capire, la vita è la mia. Ma ora ti posso dire, svolgo se posso dire. Poggio, te, vuoi se posso dire. Perché quand même, il a pas eu quand même des honneurs dans le monde, il peut avoir les honneurs dans l'église. Est-ce que vous comprenez le sens? Alors moi, du coup, va casser. Du coup, je vais partir, du coup, va te. Et l'église, tout le monde, va te prospecter. Non, mais c'est posso dire, toi. Ah ben c'est pas ça. C'est des résolutions sans Dieu. Et là Dieu ne peut pas m'aider. Il ne fera pas longue haleine, il ira pas trop loin. Le jeune garçon qui veut servir Dieu par esprit, si voulez-vous, par gain sordide, il n'ira pas loin. La résolution, on la prend avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette résolution. La vision, s'il n'y a pas de vision, ça ne sert à rien de prendre des résolutions. Ça ne sert à rien de prendre des résolutions. Vous savez, je vous dis une chose, je prêche la parole de Dieu depuis déjà quelques années. Je suis au moyen de prison, le frère, votre confrère, Romain qui est au moyen de prison, qui est là, qui est au moyen de prison avec sa province. Et je bénis Dieu pour cette œuvre qui grandit à la prison. À l'époque, il n'y avait pas de moyen de prison. Maintenant, les gitans vont prêcher l'évangile en prison. Il faut dire que les chrétiens prient pour leur donner le monde. Et, parce que, voyez-vous là, Gino qui est là derrière moi, c'est mon jeune, mais il est serviteur de Dieu. C'était l'ancien Tola. Il est prêché l'évangile. Et aujourd'hui, il est là, on va l'estrade avec moi. Amen. J'ai sorti de la prison. C'est lui. Hier, les équipes, elles sont costauds. Amen. La parole de Dieu. C'est pas beau, ça. Amen. C'est pas merveilleux, ça. Amen. Là, on a une bonne vie. Un jour, vous savez, je prêche l'évangile. C'est une expérience que je vais partager avec vous. Parce que la vision que Dieu nous donne, la résolution de servir Dieu avec notre cœur, et que ça vient de Dieu, Dieu peut que bénir. Et un jour, je prêche l'évangile à la prison, un prisonnier gitan, d'un village pas trop loin de chez moi, Canet, Calvon-les-Vau. Je prêche l'évangile 25 ans après, Tony. 25 ans après, celui qui sait. 25 ans après, cet homme est dans son lit de mort, condamné par la médecine, avec un lit d'hôpital chez lui. Et il dit à son oncle, va chercher le pasteur qui m'a prêché l'évangile il y a 25 ans. Seigneur, j'ai perdu 25 ans de ma vie. Il m'a prêché la bonne nouvelle, le salut de mon âme. Dieu tout puissant. Et je suis perdu. Va retrouver le pasteur qui m'a prêché le salut de mon âme. Amen. J'ai perdu 25 ans. Et cet homme, il vient avec une Mercedes. Il vient avec Mercedes. Et quand il vient avec sa Mercedes, je monte avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Il y a quelqu'un qui se meurt, il veut te voir. Qui est-ce? Qui est-ce? Et tu calmes après ton nom de suspense. Qui c'est ça? Alors je rentre dans la maison, petite villa. Je rentre dedans, je vois l'hôpital, le jeune homme allongé, maigre. Ça me dit quelque chose. Mais je l'ai visité cet homme, il y a 25 ans.
Il parlait doucement, il n'arrivait pas à parler. Mais il dit, Gourou, pousse-toi, tu m'as prêché l'évangile. Il y avait 5 ans. Et j'ai tout dit, j'ai pas choisi le salut de mon homme. Dieu. Tu m'apportes le salut, je l'ai délaissé. Pendant 25 ans, toute ma famille est perdue. Et moi, si je perds mon âme là aujourd'hui. J'ai prié pour lui, il s'est repenti. Il m'a dit, quand je vais mourir, je veux que ce soit toi qui fasses l'enterrement. Il dit à mes frères, à ma famille, qu'ils ne fassent pas la faute que j'ai fait, car j'ai perdu 25 ans. Et 2 ans après, une église est ouverte, Clément Lebon. Alléluia. Une église est ouverte, Clément Lebon. Je bénis le nom du Seigneur. Quand on prend des résolutions avec Dieu, Dieu bénit. Un jour, j'étais en prison, mes soeurs et fils de l'église de Dieu, et j'étais en prison, visiter la prison. Il y avait un prisonnier voyageur qui est de Paris. Et que je prêche l'évangile, comme tous les serviteurs de Dieu. Et en prêchant l'évangile, cet homme se convertit. Pas bien converti, mais il était pour l'évangile. Parce qu'il y en a qui sont pour l'évangile, mais qui ne sont pas encore bien convertis. Qui ne sont pas encore bien engagés avec le Seigneur. Quoique la parole de Dieu est prononcée, et c'est elle qui fait son efficacité. C'est pas nous. Nous, vous forcez les gens de se convertir. Dieu fera son travail. Toi, prêche l'évangile, et Dieu fera son travail. Et quelques temps après, il m'appelle, mais il dit Gagou, parce qu'il était quitté avec sa femme. Les parents des familles étaient divisés, ils s'étaient disputés. Et j'ai prié avec lui pour sa famille, pour sa femme, vous serez réconciliés. T'inquiète pas, Dieu va poser tes mains sur toi. Si tu te repens, si tu t'engages, tu es tout serviteur de Dieu. Les paroles qu'on peut leur annoncer. Et un jour, cet homme m'appelle, il dit Gagou, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, tu te rappelles? Ah oui, mon frère, je me rappelle de toi. Tu sais, maintenant, je suis des conventions. J'ai retourné avec ma femme. Les parents de ma femme et mes parents à moi sont ensemble, ils sont unis. On fait des repas ensemble. Je me panique parce que c'était fini, c'était cassé. Le foyer, c'était fini. Mais grâce à Dieu, maintenant, Dieu a posé ses mains. Voyez-vous comment Dieu fait des bonnes choses? Comment Dieu fait des choses? Quand on prend des résolutions de servir Dieu, Dieu pose ses mains, Dieu bénit. Ce n'est pas nous qui bénissons, mais c'est Dieu qui bénit. Amen. Un jour, j'étais là. Je se rappelle, tous les se rappellent, Pacha se rappelle, j'étais un an perturbé, troublé, j'ai passé des mauvais moments. Pendant un an, j'étais là, j'étais avec ma femme, j'étais en voiture, c'était en plein été, et un pasteur de Bordeaux m'appelle en me disant, Gagou, c'est toi, pasteur, oui, chez moi. Écoute, il faut que tu ailles moi de Bordeaux, je ne peux pas aller à Kitechuga, quand vous voyez. T'es pasteur, toi, t'es l'ancien, va à Kitechuga, va prier pour un tel, parce qu'il y a une femme qui a pris une AVC. Et ils sont de Paris, ils sont à Lille, ils sont partis à Guide-Charles, à Montpellier, avec l'hélicoptère, c'est grave, il faut que tu ailles prier, mon frère, t'inquiète pas, j'y vais, mais il y a un truc, il tu parles fort, je te regarde un peu. Regarde, ouais, face au costaud, mais loin. J'ai pas la force de prier, Seigneur. J'ai plus la force, Seigneur. Qu'est-ce que j'aurais voulu que notre frère y aille? Qu'est-ce que j'aurais voulu que notre frère y aille? Mais j'ai pas voulu tricher. Et puisque tu m'appelles avant que je l'ai moi. Je traîne la savate, comme disait Ephraïm. Et je vais à l'hôpital. Il y avait deux filles. Et l'homme, à la salle d'attente. La femme allongée avec une AVC. Très grave. Il allait devenir une autre. Et 3 AVC, suite après suite. Et moi, j'étais un peu là, j'étais découragé, j'étais abattu. J'avais passé des mauvais moments. Mais je croyais en Dieu quand même. On peut passer par des mauvais moments, mais la foi est toujours là. Même si on est faible, la foi est toujours là. Et je parlais de Dieu. Et avant de les prier, Dieu me dit, ne va pas prier pour cette femme, parce que ça vous dit pour la garçon de cette femme. Ne posez pas les mains avec précipitation. Oui. Avant de les prier, Dieu me dit, attends, ne va pas prier. Fais déjà une cure d'âme avec cet homme. Fais déjà un entretien avec lui. Regarde son cœur, regarde. C'est très important, puisque tu l'as là. En profite de parler de l'évangile. Oui. Puisque tu l'as là devant toi, il te fait appel. Moi, dans mon cœur, et je parle 10 minutes, un quart d'heure, ces filles avec les larmes aux yeux, écoutez comme moi, comme toi, comme si j'étais Dieu. Et lui écoute, et je dis, écoute, tu veux que ta femme soit guérie? Oui. Et ça, faut arriver. D'accord. Mais Dieu, écoute, je vais prier, je dis, mais guéris ta femme. J'y vais parce qu'il faut y aller. Donc, en fait, je te le dis, il se trouve dans ton domaine. Il fallait avoir la foi pour dire ça quand même. Mais j'avais se précipiter de des choses parce que le casse. Et il vous casse parce qu'elle est mort. C'est la goutte de sporteur. Et j'ai dit, ta femme est guérie. Parce que quand j'ai vu le cœur de cet homme,
Amen. Quand j'ai vu le cœur de cet homme, j'ai dit, ils en sont faits. Et le cœur de ces enfants qui pleuraient, qui étaient encore en pyjama, c'est dans la nuit qu'ils s'étaient réveillés tout ça. Ils m'ont fait de la peine, j'en ai pleuré même. Parce que ils ont toujours voulu d'elle. Mais j'y vais maintenant, parce qu'il faut le faire. Je rentre dedans, prémination, on pose la semaine, je m'en bats. Je dis plus rien. Je passe son numéro, j'ai rien moi de lui. C'est le pasteur de Bordeaux qui m'appelle. Moi j'ai rien de lui, j'ai pas pris son numéro de lui. Quoique j'ai fait une fois, j'aurais dû prendre son numéro. Mais je suis parti. Quelques temps après, il m'appelle. Lui il avait mon portable. Mais il dit, pasteur, oui, tu sais, ma femme est sortie de l'hôpital. Elle est complètement guérie. Amen. Et plus de séquelles. Amen. Complètement guérie et plus de séquelles. Alléluia. Il s'appelle David. Un an après, il m'appelle. Mais, Gagou, oui, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien? Ta femme? Oui, oui. Écoute, je t'annonce une bonne nouvelle. Voyons, je suis l'émission. Je me régale, Gagou. Je suis l'émission, les pasteurs. Je me régale. Des fois, je vois des choses. Ça, j'aime pas. Hein, c'est un peu comme les gars dans son émotion. Écoute. Ne regarde pas ça quoi, suis les rayons et suis l'évangile. Amen. Un an après, il m'appelle, deux ans après. Il dit, pasteur, où? Oui, mon frère, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je m'en désire du public. Du Seigneur, le Seigneur. Amen. Voilà comment ça commence petit et comment ça devient grand. Et vous savez, quand il était à l'école publique, il témoignait justement de cette histoire-là. À quel témoignage? Il témoignait dans la strade. À l'école publique, il y avait mon fils à moi qui était au fond. Mais on connaît que c'est histoire, mon fils d'enfant. C'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. Voyez-vous comment Dieu fait des bonnes choses. Dieu est grand, Dieu est puissant. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se fouler à la table des rois. Et si on prend cette résolution avec Dieu, Dieu sera avec nous. Et si on le prend sans Dieu, s'il n'y a pas Dieu là-dedans, dans cette affaire-là, qu'on veut servir Dieu. Tu poses ce que ça parle à midi. Pour le stade, on va tous les jours. 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 S'il n'y a pas Dieu, c'est que dans la religion. S'il n'y a pas Dieu, est-ce que religion, ça peut te montrer? Daniel ouvrait les fenêtres. Ce n'était pas pour se montrer, lui. C'était parce que c'était sa coutume. C'était sa résolution. Trois fois par jour, je priais en direction de Jérusalem. Et quand le roi, à cette époque-là, lui a dit que ceux qui prieront pendant un mois, il ne faut pas prier pendant un mois, leur Dieu, ils prieront là, à l'école. Pourquoi pas quelques jours? Pourquoi pas 20 jours? Pourquoi pas 3 jours? Un mois. Si Daniel aurait écouté un mois sans prier, Daniel était mort. Parce que Dieu sait. Mon soeur, ma soeur, mon frère, Dieu sait qu'il ne faut pas que tu restes trop longtemps, un acte de temps, sans la prière. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Il faut qu'à chaque instant, à chaque mois, tu rentres dans la prière. Amen. Tu dis aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu voit tout. Si, mais tout va tout. Si, tout va où? Dieu a vu que tu as délaissé la prière. Que tu as délaissé, vous savez, de voir, il est arrivé de travailler. De travailler. Comme tous les hommes qui sont dans le travail, il m'est arrivé de travailler, de mettre les cantiques et de pleurer. Je travaille avec le frère, en fait, là. Et des fois, je fais une aide avec lui dans son chantier. Et lui, la musique à fond, cantique et zéro. Et moi, je me mets derrière un coin, le frère Abdel, il ne se rend pas compte, lui. Je me mets dans un coin, je pleure. Je sens la présence de Dieu. Et je suis en prière avec Dieu. Si tu parles de se mettre à genoux, pour la gâcher, fais pas un capaillard. Non, non, non. Avoir l'esprit de prière avec Dieu. Quand tu vas chiner, sois en communion avec Dieu. Quand tu vas travailler, tu vas faire des commissions. Tu prends ton cadeau, tu fais des commissions. Ah ouais. T'as besoin de prier, Seigneur, Seigneur, garde moi. Fais spirituel, fais pas le spirituel. Mais quand tu fais des commissions avec ton cadeau, sois dans l'esprit. Prends cette résolution, sois dans l'esprit. Amen. Un jour, écoutez-moi, j'étais faire des commissions et j'étais découragé. Soit je suis découragé, moi, je ne sais pas si vous êtes découragé, mais moi, ça m'arrive d'être découragé souvent. Je ne sais pas si vous êtes, ça m'arrive, hein. Je suis un ancien, ça m'arrive souvent, frère. Je vous demande pardon. Et je rentre à Hyperlu, je suis avec mon caddie, et vous savez qu'est-ce que je vois? Un homme avec des cheveux longs, mais des tresses. Un homme qui était animé de mauvais esprit. J'ai
J'ai senti qu'il avait mauvais esprit. Moi, à cette époque-là, j'étais mal. Quand tu as responsabilité de voir que tu as des attaques à partir de combat, tu es fatigué. Et j'étais fatigué de combattre. Et je fais une petite commission comme ça, il y a ma femme qui est de l'autre côté, et moi, je regardais mes affaires à moi. Et je vois un homme en face de moi, un homme avec des tresses, mais l'homme possédé, c'était l'esprit de démon. Et moi, je lui dis, tranquille, il ne va pas être. Et il me dit, non, non, coupe pas dans une. Va en face de lui. Ne coupe pas, ne baisse pas les yeux, surtout. Moi, je marche et je le regarde. Lui, il marche, il me regarde. Je m'arrête, je me tourne. Lui, il s'arrête et se tourne. Rendez-vous compte le combat qu'il y a eu ? Et j'ai gagné. Parce que je n'ai pas me laissé perturber par ça. Et pourtant, moi, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à prier pour les démons. Il n'y a que ce type-là qui prend la place des démons. Ce type-là. Et moi, je suis pas donc comme ça. Quand ça vient, ça vient. Quand ça vient, ça vient. Et Dieu est avec moi, et Dieu est avec nous. Mais quand on s'est tourné tous les deux, lui, il m'a dit, j'ai senti que c'est quelqu'un de puissant. Amen. Amen. Après coup. À force, ça m'arrête. J'ai plus de force, Seigneur. Il y a la confolie. J'ai pas la force de marcher. Les jambes faisaient mal. Mes muscles faisaient mal, sinon. Et j'ai dit, Seigneur, vous faudrez rencontrer un frère. Mais quand même, un frère qui. Il faut que je vois un frère. Et qui je vois ? Albert Leblanc, un des plus grands pasteurs de Montpellier, l'ancien. Oui. Albert Leblanc, qui est en train de faire ses commissions avec son chapeau. Oh mon frère, ça va ? Mais non, mais on peut moi, j'ai une approche de lui. Parce que j'ai besoin d'une approche spirituelle. Oh oui, mon frère, pasteur, ça va, toi, ton église ici d'abord. Et je parlais couramment avec lui, j'ai repris des forces. J'ai repris des forces. C'était une combat dure. Quand on prend une résolution de ne pas se souiller à la table du roi, et c'est très important, le monde, frère Christophe, je vous dis, je vous avais compris le sens, dans la pensée où je vous appelais, le monde ne vaut rien. Le monde ne vaut rien. Quand Daniel était, je termine avec ça, quand Daniel était à Babylone, et quand il a été un an, deux ans, trois ans, combien de temps il est resté Daniel ? Je pose une question, combien de temps il est resté Daniel ? 70 ans. 70 ans. Parce que si vous lisez la Bible, regardez bien. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Il est resté jusqu'au roi Cyrus. 70 ans. Ça avait été prophétisé par Esaïe que le peuple d'Israël, par trois vagues de déportation, il serait déporté à Babylone. Mais Daniel, lui, quand il avait, je pense, 17-18 ans, il était vieux là, Daniel. Il est resté pendant 70 ans. Mais pendant ces 70 ans qu'il est resté Daniel, quand il voyait les peuples venir, qui s'étaient arrachés de Jérusalem, moi j'imagine un peu Daniel qui souffrait, qui priait le Seigneur, qui intercédait pour que l'œuvre de Dieu se manifeste. Il voit Zédéchias, vous savez ce homme de Dieu, le roi Zédéchias, qui n'a pas écouté la voix de Jérémie. Et quand il voit Zédéchias, Daniel, avec ses yeux crevés, il dit, qu'est-ce qui se passe, Zédéchias ? On m'a crevé les yeux. On m'a crevé les yeux. Ils ont tué mes enfants, ils les ont égorgés devant moi. Vous vous rendez compte, ils ont égorgé ses enfants devant lui ? Ils sont morts devant lui, devant Zédéchias, le roi de Juda, à Jérusalem. Et il est déporté là-bas avec les chaînes des reins devant le roi à l'époque. Et que Daniel, quand il voit ça, il dit, qu'est-ce qui se passe, Zédéchias ? J'aurais dû écouter Jérémie. J'aurais dû écouter Jérémie. Parce que Jérémie lui a dit, écoute, Zédéchias. Seigneur, je sais. Tu vas ne combats pas contre les Babylones, c'est perdu d'avance. Seigneur, Seigneur. Ne combats pas contre Babylone, c'est perdu d'avance. Ne combats pas. Tu vas mourir pour ta famille. Moi, non. Moi, je vais combattre. Il y a des frères qui sont têtus. Il y a des frères, bon, qui sont tous. Ils ne prennent pas des résolutions, mais ils font des révolutions. Parce qu'il y a des révolutions, parce qu'il y en a qui font des révolutions. Ils sont têtus. Et pourtant, l'homme Jérémie qui souffrait, même lui, il a mis dans une citerne. Arrête de parler, Jérémie. Et non, Jérémie dit non. Bouillon tout bien, je veux ton bien, moi. Il faut que tu ne combattes pas.
Parce que les chaliens vont venir, ils vont te tuer, toi et toute ta famille. Laisse tomber, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. C'était la main de Dieu qui s'était retirée. C'était prophétisé par Dieu qu'il fallait qu'il soit en déportation en Israël. C'était comme ça, c'était prévu comme ça. Et Zédékias, il n'a pas voulu, il a voulu combattre. Et à la fin, quand il a combattu, il est parti vers la plaine de Jérusalem. Là, ils l'ont pris, ils ont tué ses enfants. Ils l'ont prenu ses yeux. Ils l'ont amené là-bas, à Babylone. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Est-ce que Zédékias a été comme Daniel? Je ne pense pas. Daniel a résolu de ne pas se soucier. Si même il a été amené captif, moi je suis captif, je m'en vais. Vous savez, Jésus dit, vous êtes dans le monde. On est dans le monde. Non? Yo, nous passons le monde, yo. Yo, qui me passe? Il faut que je passe par là, parce que... Yo, moi je veux pas, moi ça je veux pas. Pas je passe à l'autre sanctifiant de mon oeil. Pas je fais pas trop les sanctifier, mon fils. Fais pas trop les sanctifier. Tu es dans le monde, il faut que tu respectes. Il faut que tu sois sous les autorités. Il faut que tu sois sous les autorités. Les autorités sont là, c'est le but de Dieu. Il faut que tu sois soumis. Moi, je ne le soumets pas. Il faut que tu sois soumis aux autorités. C'est Dieu qui a établi les autorités. Sur la terre, c'est Dieu qui les a établies. Alors, on se soumet aux autorités. Alors, c'est pour ça que c'est très important de prendre des résolutions ce matin. Et que ce matin, si nous prenons cette résolution dans notre cœur, et que nous disons, Seigneur, je prends à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, je prends cette résolution de ne pas mélanger avec le monde. Ouais. Le monde, ce n'est pas la vie chrétienne. Le monde, ce n'est pas des choses qui vont plaire à Dieu. Moi, je veux vivre une vie chrétienne. Je ne veux plus manquer un culte. Je ne veux plus manquer une réunion. Je ne veux plus manquer un jeûne de prière. Quand il y a un jeûne de prière, donc, moi j'étais pasteur, vous savez tous les pasteurs sont là. Quand on dit les frères et sœurs, il y a un jeûne de prière. Je ne sais pas si les pasteurs sont là. Mais les pasteurs, il y a un jeûne de prière. Jeûne de prière. Jeûne de prière, voilà. Jeûne de prière, Noé. Tony, jeûne de prière. 10, 15 chrétiens. Un dimanche après, il se parlait des costumes. Fais une repêche, comme qui est la vie. Fais une repêche. C'est du bon de chrétien. Quand c'est pour la prière, personne. Pour pas, son mal, tu as l'arthrose, tu as la sciatique, tu as migraine, tu as mal à la case. Quoi que maintenant, ça. Excusez-moi les frères et sœurs, dire je me marie à la maison quand on donne au bonhomme mal d'image. C'est quand même chose, je la porte en 1900, qui m'ouvre la caserne. En 1900, c'était ça. Maintenant, non, c'est plus ça. Quand quelqu'un lui veut, il peut. Quand c'est prendre cette résolution, de dire Seigneur, je veux prier, je veux jeûner avec les pasteurs, avec l'église. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut apporter les jeunes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, frères et sœurs. Vous le savez, mais vous n'imaginez pas encore ce que les jeunes peuvent apporter. Un homme qui ne s'est jamais converti, un homme qui tabasse sa femme, un homme qui est alcoolique, un homme qui est drogué, sa femme c'est une chrétienne, il vient à l'église, je viens avec moi pour que mon mari se convertisse, toute l'église, j'en ai avec elle. C'est ici que la prière. Devant, c'est beaucoup plus la prière. C'est pas ce que tu as, c'est pas ce que tu as. Souviens tout ce que tu dis, ça pas, je veux dire. Non, il faut que les prières soient ciblées. Il faut qu'ils soient ciblées les prières. Cette résolution, ciblées les prières. Cet homme s'est converti, venu à l'église, à genoux, demandé pour lui, chrétien, serviteur de Dieu. Combien de témoignages nous avons entendus? Église de Jésus, prenons cette résolution. Que nos églises, rassemblements d'églises, ne soient pas un rassemblement, vous savez, que de rassemblement. Mais que ce soit des rassemblements spirituels. Que nous amènent à la prière. Je pensais tout à l'heure, j'étais assis, je termine. Je pensais tout à l'heure, pourquoi dans nos rassemblements d'église, on ne s'occuperait pas de nos jeunes? Pourquoi dans nos rassemblements d'église, on ne venait pas aussi un rassemblement de pasteurs et des femmes de pasteurs se réunir et de prier ensemble? Avant le rassemblement d'église, on le fait le matin. Le matin, les serviteurs se réunissent là et on prie en jeûne pour que l'église, le rassemblement d'église, y ait une efficacité. Amen. Pourquoi on ne prendrait pas du temps comme ça? Je pensais, c'est une pensée qui me venait comme ça. Amen. Et pourquoi on ne prendrait pas du temps? Puisqu'on dit le samedi, on vient le matin, on prie. On prépare la réunion dans l'après-midi. On prépare la réunion du soir pour que l'évangélisation soit prêchée. On prépare le culte. Et vous allez voir que de nos rencontres, il y aura des bénédictions. Et les gens auront envie de venir. Parce qu'ils iront là-bas. Il y a le Saint-Esprit. Si nous prenons cette résolution, Dieu nous bénira.
Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour cet engagement que nous prenons ce matin, que nous voulons résoudre dans notre cœur, de ne pas se souiller dans le monde. Parce que le diable, il veut nous mettre dans notre cœur, l'esprit de Babylone, Babylone spirituelle, le désordre, le chaos, la musique, le flamenco dans nos églises, Seigneur. Nous ne voulons pas de tout cela. Les fausses doctrines, nous n'en voulons pas. Nous voulons veiller à cela. Nous, les lecteurs de Bible, nous, les serviteurs, nous voulons veiller à ce qu'aucune fausse doctrine rentre dans nos églises. Nous voulons que tu nous donnes l'esprit, Seigneur. Et nous voulons prendre des résolutions avec toi et sans toi, Seigneur. Être comme des Daniel, Jésus. Tant pis, Seigneur, sommes-nous mis dans la force lion. Parce que nous sommes fidèles à l'habitude des choses. Dieu t'a confié la grâce. Et je bénis le nom du Seigneur pour le fruit qu'il a apporté Daniel. Et c'est le fruit que nous voulons apporter, Seigneur, nous. C'est dans les petites choses que nous sommes fidèles. Tu n'en confieras des grandes. Bénis l'Église, bénis les serviteurs, bénis les chrétiens et les chrétiens. Bénis l'œuvre, Seigneur. Pose tes mains bénissantes dans le nom de Jésus. Amen.